Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode, nouveau numéro. Aujourd'hui, la question du jour est très simple. De jour là, comme vous le constatez, Drogba est candidat à la FIFA. Les gars, vous en pensez quoi? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Voilà, on va essayer de pêcher la vie de quelques personnes dans la rue. Mais d'abord, lâchez-vous dans l'espace commentaire. Dites aussi, vous êtes pour ou vous êtes contre? Les gars, let's get it. Que pensez-vous de la candidature de Drogba Didier à la FIFA? Bah, je pense que c'est déjà une bonne idée qu'il ait décidé d'être candidat à la FIFA. Oui. Et parce que déjà, il est, au plan mondial, il est vraiment connu. Et je pense qu'il va apporter un plus à la nation ivoirienne, ouais, sur le plan footballistique. Ouais. C'est tout. Oui, c'est tout. Je pense que même, il faudrait qu'il soit, à mon avis, hein, élu à ce poste-là, parce que, à mon avis, il va vraiment apporter un plus au championnat, un plus à la sélection nationale, et puis redorer notre blason, parce que vraiment, actuellement, on est vraiment dessus de la prestation des éléphants, et je pense que avec sa venue, ça va nous réconcilier encore plus avec. Avec notre équipe nationale. Vous pensez qu'il a les capacités requises pour pouvoir pousser le football ivoirien? Effectivement, Drogba, je pense qu'il n'est plus à présenter au plan mondial déjà. Même le président de la République actuelle avait dit qu'il avait rencontré la reine d'Angleterre et quand il a dit Côte d'Ivoire, on ne savait pas trop. Quand il a dit Didier Drogba, automatiquement, elle a vu. Voilà, donc c'est une référence au plan mondial, et puis je pense c'est ça vraiment un bonheur pour la Côte d'Ivoire qu'il soit président de la fédération. Non, c'est Drogba, moi je supporte, moi je pas autre personne, c'est Drogba seulement me connaît. Ouais, c'est lui qui est mon candidat, c'est lui qui m'a vu qu'il a dirigé tout le monde du ballon là. Et quand lui prend là, il est là, c'est qu'il a fait chaud. C'est chaud. Puis tous les footballeurs, même les seront fins. Ben là, lui-même, c'est un bon mot. Et puis là, lui-même, il connaît le domaine. C'est que c'est vraiment, c'est lui, on doit le mettre. Ouais, c'est vraiment. Non, mais toi aussi, tu es allé à Drogba, non? Pourquoi pas? Ah, ça là, c'est pas bon. Hein. Il doit le donner. Ils n'ont qu'à arrêter leur politique là, c'est pas bon. Ils n'ont qu'à sciencer. Ah, il doit le donner, c'est quoi? C'est rien, c'est Drogba ou rien? Donc, et les autres Mongols là, les deux Mongols là? Non, moi c'est Drogba, moi je connais. Moi-même, je ne cherche pas à connaître qui est candidat encore, qui est candidat encore. Moi c'est Drogba, moi je sais qu'il est candidat, c'est lui qui sait que c'est lui qui a gagné. Yere même. Non, moi si c'est moi, c'est seulement c'est Drogba ou rien. Un petit mot pour lui, peut-être, je vais tomber sur la vidéo. Oui, moi, toi tu connais, c'est un fan, nous, c'est un dog. Voilà, nous on est toi, il n'y a rien même. Il serait président, et puis on est toi. La politique, ils n'ont pas arrêté, on n'est plus dans ça. Okay. Ils n'ont pas arrêté ça, ils n'ont pas le donner, ils n'ont pas sciencé. C'est ça, non, vu, c'est fini. Un petit mot déjà pour lui, terminé. Ah, Drogba, bonne chance pour les élections et on se voit après pour la victoire, pour fêter tout ça, voilà. Bon, moi je pencherai pour Souris Diabaté. Hein. Souris Diabaté, donc vous êtes contre Drogba? Pas contre lui, mais pour l'expérience. Pour l'expérience. D'accord, merci beaucoup. Ah, vous entendez parler déjà, on dirait que vous êtes un grand fan de Didier Drogba. Hein. Il faut dire que à la base, on n'aimait pas trop le football. Quand mes grands frères regardaient les matchs de football et tout, j'aimais pas. Moi, je préfère regarder mes films et tout. Et on va dire que Drogba a vraiment participé à ce que je m'attache au football. Déjà, avec ses buts depuis Marseille-Chelsea. Voilà, ça dit que, en fait, je ne supportais même pas l'équipe. C'est Drogba directement que je supportais. Même quand il perdait des matchs, je demandais, est-ce qu'il a marqué un but? C'est ça. Voilà, c'était tout. Hein. Il n'y a pas un mauvais rêve. Même. Drogba à vie. À tout. Oh. Il n'y a pas un mauvais rêve. Il y a dit que non, l'autre personne. Il ne connaît pas l'autre personne, il n'y a pas lui. Un mot pour Didier Drogba rapidement. Un mot pour Didier Drogba, je t'aime. Enfin, n'ai jamais croisé Fafa comme lui. Ça. Que non. Et puis dit que non, papa, voilà un petit bisou. Bah, moi, je suis pour, hein. C'est Drogba. Moi, je suis pour aussi. Ah bon, et pourquoi? Tout simplement parce que c'est Drogba, frère. Il n'y a pas besoin de
parler d'autre chose. C'est Drogba, c'est le père de la nation, donc d'accord, il est... Le père de la nation. Tiens, man, il y a tout ce qu'il a fait pour nous, ça se fait. Et toi? Bon, moi aussi, c'est pareil aussi, parce que c'est Drogba. Et puis, bon, côté international, il n'y a même pas match pour lui-même. Quand on dit Drogba, n'importe quel tu vas dans quel pays, tu me dis Drogba, son mot immédiatement pense à la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi ne pas... Direct. Pourquoi ne pas lui donner les élections? En tout cas, nous, on est derrière lui. D'accord. Et un petit mot au passage pour Didier Drogba. Bah, courage, je sais pas. Et toi? Bonne chance et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Le meilleur, c'est toi. Il y a que ça que je vais dire, c'est pas, pas ça, c'est pas qu'est-ce que je vais dire encore. D'accord, il n'y a pas de soucis. C'est pour une chaîne YouTube. Oui, c'est pour une chaîne YouTube. Courage, moi aussi j'ai envie de faire des micros pour toi. Ah bon? Ok. Tu sais celui que les voilà. Ces gars de quoi vont me frapper, ils vont me mater. Mais moi là, j'ai essayé de l'attraper, même ton mec comme ouais, ça. Ouais. Vous devez pas. Ouais. Voilà, petit bijou. Une fin. Même pas son 5 francs. Si c'est lui qui veut me donner quelque chose là, ouais. Là c'est grâce à Dieu, il veut me faire quelque chose. Mais là, il se fend de lui, il se fend. Donc vive le football ivoirien. Oui. Il faut l'ivoirien, ouais. Il faut de vie l'ivoirien, voilà. De Drogba, voilà. Elle a fait notre fierté. Pour toi, Drogba, toi, doit gagner en brie. Hein. En brie, même fait le même, même s'il veut gagner combat comme lui, même ce qu'il lutte comme les autres choses, il doit gagner. Il n'y a pas l'homme qui va l'arracher. Mon père Didier, si t'es toi même, mais moi, déjà me voir, mais far même là. Un petit bisou à Drogba. Dieu, qui t'aime. Je t'aime. Je pense qu'il a l'expérience requise. Pour être au devant des choses concernant le football ivoirien, en fait. Voilà. Oui. Et pourquoi pas les autres? Les autres, déjà, je ne connais pas les autres. Donc, c'est pour ça. Non, c'est Didier Drogba, c'est moi qui connais comme candidat à la FIFA. Oui. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Un petit mot au passage, peut-être un jour, tu tomberas sur cette vidéo. Drogba, moi, je ne le connais pas personnellement, c'est déjà. Ça. Voilà, mais je sais déjà les prouesses qu'il a eu à accomplir. Donc, je ne sais pas quel mot lui adresser directement. Mais bon, le vieux, on est fin. On est derrière toi aussi, voilà. Drogba, c'est une icône du football national. Voilà, et puis bon, vu son expérience footballistique, voilà, il a déjà fait une bonne carrière. Voilà, donc je pense que si on lui donne les rênes de notre fédération, voilà, le football national ira mieux. Voilà, sinon, actuellement, là, c'est bizarre, c'est très très bizarre. C'est bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Vous êtes pour ou bien vous êtes contre? Je suis pour. Vous êtes pour? Oui, c'est ça. Donc, vive ouais. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive la FIFA, Didier Drogba. Allez, merci.